Gros plan ce soir sur Jean Rochefort ou gros plan sur une carrière exemplaire. Au niveau de cette carrière, pas de flonflon, pas d'éclat, pas de bruit, pas d'extravagance, mais une montée progressive vers le haut de l'affiche que Jean Rochefort occupe aujourd'hui. De 1958 à aujourd'hui, eh bien c'est 20 ans de métier. 20 ans de métier qui se soldent par une carrière théâtrale brillante, avec un septennat à la compagnie Grenier-Husneau, après avoir fait ses dents au conservatoire, où il passera sans glaner de prix, et au centre de la rue Blanche. Et puis ce seront les grandes créations théâtrales en France, notamment Pinter, que Jean Rochefort ira convaincre en Angleterre de laisser jouer ses pièces à Paris. Pinter, Obaldia, Durenmat et bien d'autres. Rencontre ensuite avec la télévision pour les dramatiques en direct que les vedettes de l'époque refusaient d'assumer, vu la minceur du cachet qui leur était offerte. Ne parlons pas du cinéma, où film après film, une cinquantaine à ce jour, Jean Rochefort s'impose. Longue marche, longue patience, que ce Breton maîtrise avec l'art du pince sans rire et le regard amusé de l'humaniste, mais aussi de l'humoriste, car il est vrai qu'on ne fréquente pas impunément des amis comme Yves Robert, Marielle, Noiret et Belmondo. Jean Rochefort joue. Il joue, c'est son métier, peut-être plus que sa vocation. Et miracle, il échappe aux étiquettes, passant d'un registre à l'autre avec le même bonheur. Il est aujourd'hui célèbre et peu connu. Il crève l'écran sans l'accaparer. Bref, tout cela paraît facile et coulant de source. Le public a l'impression qu'il a toujours existé et qu'il est toujours à sa place. Il lui apparaît proche, amical, un peu réservé peut-être, mais aussi fraternel. Et c'est peut-être cela ce qu'un critique appelle, fort joliment, la discrétion percutante de Jean Rochefort. Et Jean Rochefort, j'aime assez ce mot pour, caractériser votre carrière, la qualifier, discrétion percutante. Êtes-vous d'accord? Ah oui, je suis très d'accord. Je ne savais pas qu'on avait écrit ça sur moi. Et j'aime les paradoxes, j'aime les contrastes et la discrétion et la percussion, ça me séduit beaucoup. Et je trouve effectivement être bien à ma place dans cette définition. Discrétion, c'est une qualité naturelle ou est-ce le fruit d'une discipline personnelle? Oh non, je ne crois pas. Ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est moins flatteur que ça. Je crois que je suis quelqu'un de timide et qui se satisfait très bien de la solitude. Donc là, une profession publique est a priori assez incompatible avec ce trait de caractère. Mais heureusement, je crois que la timidité donne de l'imagination et que l'imagination est nécessaire au métier d'acteur. Elle donne de l'audace aussi, quelquefois. Et elle donne l'audace du désespéré, oui. Le coup de boutoir, oui, souvent, oui. J'ai lu un mot qui revient souvent dans les déclarations que vous avez pu faire. Un seul mot, vous dites « je suis cartésien ». C'est cela. Alors, oui. Y attendez. Oui, oui. Être cartésien, est-ce compatible avec être saltimbanque? Oui, c'est cela. C'est pour ça que j'ai répondu très vite. C'est par ce goût des contrastes, effectivement. Je me répète sans arrêt que je suis cartésien, par crainte de ne plus l'être. C'est le garde-fou. C'est le garde-fou. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, parce que maintenant, j'aime bien commencer à savoir quels sont les ingrédients nécessaires à l'individu qui a envie d'incarner d'autres personnages. Alors, je suis en train de faire le point là-dessus. Et je crois qu'effectivement, des dualités, des contrastes sont nécessaires chez quelqu'un. Et la peur de ne pas être réellement cartésien et d'affirmer qu'on l'est, fait qu'on ne l'est pas vraiment. Et je crois qu'il y a là un détonateur qui est intéressant pour se projeter dans des personnages. Alors autrement dit, le cartésianisme constitue le balisage. C'est une hypocrisie à la limite. Un balisage qui, le garde-fou, qui dit attention, n'enjambons pas, restons. C'est un carcan, ça. C'est une sécurité. Mais oui, moi, j'ai besoin sûrement aussi de ça. J'ai besoin de carcan. Mais c'est une véritable introspection sur moi-même que vous faites ce soir. Non, pas du tout. On essaie de vous connaître parce que c'est vrai, je le disais tout à l'heure, vous êtes célèbre.
Vous êtes une des têtes d'affiche du cinéma français, et c'est vrai, dans le gros plan, je disais que finalement, vous êtes un homme très secret pour le public. Il n'y a pas de numéro Rochefort, il y a... Alors, on essaye un petit peu de vous connaître un peu plus. Ah oui, oui. Eh bien, pour vous connaître, par exemple, c'est de savoir, au niveau de votre métier, l'apport considérable, je crois, qu'a été pour vous, je disais, des 7 ans passés chez Grenier-Husneau, à la compagnie. Ah oui, cette compagnie, Grenier-Husneau, je rêvais. Moi, j'étais un provincial, et en province, il ne se passait rien. Il ne se passait rien, on ne voyait rien. Nous écoutions avec ma mère la radio, et c'était notre seul rapport direct avec, avec l'art, avec Paris, avec la... Nous écoutions la Suisse aussi, la radio suisse qui transmettait énormément de pièces de théâtre. Elle continue de le faire. Oui. Elle continue de le faire. Et c'était notre seul lien. Et la compagnie Grenier-Husneau représentait, pour moi, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait là, pour schématiser, un comique d'avant-garde, puisque c'était toujours, il y avait des recherches, c'était un théâtre de qualité, c'était un théâtre drôle, un théâtre d'humour, un théâtre corrosif. Et des hasards de circonstances, ne connaissant strictement rien, n'ayant rien vu, à 17 ans, j'ai eu la chance, avec ma mère, rue de la Gaîté, déjà les rues de la Gaîté pour ma mère et moi, pour des provinciaux, c'était une aventure extraordinaire. Nous avons vu Lilium. Nous avons vu Lilium, rue de la Gaîté, interprété par Yves Robert, joué par la compagnie Grenier-Husneau. Et je suis sorti de ce petit théâtre bouleversé en pensant que je serais comédien. Je crois que c'est là réellement que le choc s'est produit. Oui. Et 7 ans après, je suis rentré. Oh non, pas 7 ans après. 5 ans après. J'ai eu la chance de rentrer dans cette compagnie. Alors, ce qui est important, je pense, pour un comédien, cette vie de compagnie que vous expliquerez mieux que je ne saurais le faire, parce que vous l'avez partagé, vous l'avez vécu. Est-ce que cette vie de compagnie qui est très intense ne manque pas quand on devient un acteur de cinéma et que finalement on vit pour soi, on passe d'un film à l'autre, on n'y laisse pas grand-chose de soi au niveau affectif, alors que dans une compagnie, on vit presque ensemble, c'est presque une communauté, une compagnie. Enfin, à l'époque, c'était, j'imagine. Certes, oui. Mais je n'ai pas de regrets. J'ai fait mon temps de cela, parce que j'ai beaucoup joué au théâtre, j'ai beaucoup joué donc dans les compagnies, dans les troupes. J'ai aimé ça passionnément. J'ai aimé ces rencontres merveilleuses, d'ailleurs, qu'on doit connaître dans tous les métiers, de se retrouver tous les jours avec un groupe de gens que l'on aime et pour lesquels on a de la chaleur et de l'affection. Mais je ne le regrette pas, parce que j'ai rencontré au cinéma d'autres choses. Oui. Et je trouve que le cinéma est aussi une troupe, est aussi une compagnie qui est limitée dans le temps, qui est limitée 8 semaines, 12 semaines, 14 semaines, et puis, très bizarrement, qui se dissout, qui explose, qui éclate et qui n'existe plus. Mais pendant ces 12 semaines, il y a en fait le même esprit et la même joie du travail que celle que j'ai connue dans les troupes de théâtre. Oui. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez la volonté ou la faculté de pouvoir faire tout à coup un break, bon, ça c'est fini, de continuer le chemin, sans se retourner, sans nostalgie. Oui, mais ça c'est un phénomène qui ne m'est pas propre et qui est tout à fait typique des gens de cinéma. Il y a toujours cette phrase, on se téléphonera, on s'écrira, on se reverra, et on ne se revoit pas, on ne se réécrit pas, on se rencontre quelques mois plus tard sur un autre film, comme par hasard, mais... On a l'impression qu'une fois qu'on a fini notre travail, notre grosse œuvre ensemble, le courant ne passera plus et inconsciemment, nous ne désirons plus nous revoir. Oui. Quelle est l'influence, si influence il y a eu, du théâtre anglais, dont vous avez été l'un des porte-drapeaux en France, au niveau du personnage Rochefort qui apparaît maintenant dans le jeu de comédien, etc. Est-ce qu'il y a eu... quand on joue Pinter, est-ce qu'il y a des modifications peut-être qui s'opèrent inconsciemment ou consciemment ? Oui, certes. C'est vrai que ça a joué cet auteur, entre autres. Il n'y avait pas que lui, il y a eu James Saunders, il y a eu... qui a été très important aussi pour moi. Et il y avait dans l'expression que je recherchais chez Pinter, cette espèce de dualité aussi, d'impudeur énorme
qu'il était absolument nécessaire de rentrer. Et Pinter, qui est un personnage comme ça lui-même aussi, son écriture est comme ça aussi, on sent toujours qu'il va ouvrir des portes sur des ouragans, mais il faut toujours garder la porte fermée. Mais c'est ce qui correspond bien à vos balises, ça. Tout à fait. Oui. Alors voilà, là, un climat qui me séduit beaucoup. Et j'ai eu un coup de foudre très, très, très violent pour ce théâtre et pour cet homme. Et ça a été une révélation. Je n'étais pas le seul. Il y avait Delphine Seyrig aussi, avec laquelle j'ai joué très, très, très longtemps. Nous avions aussi formé une petite troupe. Et ça a été pour nous une chose tout à fait essentielle et passionnante. Et alors après ce long stage théâtral du SNO, le théâtre anglais dont nous venons de parler, vous avez tout cassé pour aborder le cinéma, ou si c'est plein engrangé de cet apport que vous avez abordé le cinéma au niveau du comédien que vous êtes? Ça ne s'est pas fait comme ça tout à fait, parce qu'il y a toujours, des incidents, il y a toujours des hasards, il y a toujours des circonstances. Et c'est au moment où le théâtre recommençait à m'apporter des joies très très importantes à cause de ces auteurs anglo-saxons, que brusquement aussi le cinéma s'est déclaré. Et ça a été à un moment très court, il faut être honnête, un petit déchirement, parce que j'ai regretté les deux trois premières années. J'avais à nouveau envie de faire du théâtre, de continuer à faire du théâtre plus exactement, et puis non, ce n'était pas possible, parce que le cinéma arrivait, parce que les choses devenaient passionnantes et intéressantes, et que je faisais enfin du cinéma dans lequel je me sentais concerné et intéressé. Parce qu'avant, je faisais du cinéma alimentaire, et qui était souvent bien triste. Et au niveau de cette carrière cinématographique, tout de même, c'est la progression lente, vraiment, vous avez gravi. Oui, c'était long, oui. Ouais. Ça a été long? Oui, oh oui, oui. Oui, c'est très long parce que, comme vous l'avez dit dans le petit portrait que vous avez eu la gentillesse de faire de moi tout à l'heure, j'aime jouer, alors, plus exactement, interpréter des personnages différents. Je ne veux pas être classé, je ne veux pas être un acteur qui est ceci ou cela, un comique, un non-comique, déjà rien, le fait de prononcer ça me... Mais vous passez d'Yves Robert à Tavernier. Oui, j'ai envie d'être comédien. C'est-à-dire, un comédien, c'est un homme qui essaie de rentrer dans un univers, l'univers qu'on lui propose, qu'il soit comique ou dramatique. Et je dirais même qu'à la rigueur, qu'à la limite, j'aime trouver des aspects drôles dans des personnages tragique, j'aime sentir qu'il peut passer de l'humour dans un personnage tragique et de la faiblesse dans un personnage fort. Oui. Vous avez fait certains films qui correspondent chaque fois à quelque chose. Nous allons le voir, mais je crois qu'il y a une chose qui est très intéressante. C'est votre regard de Jean Rochefort regardant une scène dans laquelle joue Jean Rochefort. Et vous dites, je sens très bien quand je regarde, quand je coïncide. Vous pouvez nous expliciter ça? Quand la scène coïncide. Oui, c'est ça. C'est ce moment miracle que tous les comédiens recherchent. C'est tout à coup l'harmonie, et que tout à coup le jeu n'existe plus, qu'il a disparu pour nous, parce que nous sommes complètement en osmose et en harmonie, et au moment qu'il faut, au temps qu'il faut, avec le personnage qu'on est en train d'interpréter. Est-ce qu'on le sent au moment où ça se passe, ou si on le sent en regardant l'écran après? Oui, moi, c'est au moment où ça se passe. Oui. Je suis toujours à la recherche et en quête de ce moment-là. Est-ce qu'il y a des trucs pour le trouver? Ah non. Non. C'est le hasard. Il n'y a pas d'artifice de métier? Non, pas du tout. Parce qu'il faut, être en harmonie, il faut que ça soit une conjoncture totale. Une conjoncture composée de quoi? De la rencontre avec le personnage, avec le fait qu'on
ressente profondément l'envie d'interpréter ce personnage à ce moment-là, mmh. et qu'on soit à ce point prêt, qu'on soit totalement capable d'oublier totalement, entre guillemets, la technique. Mais... Et à ce moment-là, on s'envole. Mais vous qui êtes cartésien, donc prudent, c'est une manière de sortir des balises si, on, ah, si oui. tout à coup on est décollé comme ça. Ah, oui, oui, oui. Alors c'est donc ma recherche, c'est donc ce que je cherche, c'est donc ce qui me séduit, c'est de sortir de mes balises justement et d'avoir quoi, 10 secondes, 30 secondes, une minute de ce moment-là dans une année. Pas plus. Bon, non. Vous sortez des balises quelquefois pour faire des ruptures ou des parenthèses. Hein. Par exemple, Le crabe tambour, qui est le film qui vous a apporté la récompense que l'on sait, c'était pas un défi que vous avez relevé finalement. Je ne parle pas au niveau du rôle, je parle au niveau de vivre loin de la terre pendant des semaines sur mer, puisque le film s'est tourné dans le Grand Nord, je oui, au Labrador. C'était pas une manière aussi de s'échapper, de faire une coupure, ça? Oui, certes. Et c'était très extraordinaire, cette rencontre. Et moi, je recherche et je continuerai à rechercher des instants comme cela. En fait, j'ai lu ce scénario pour un ami. Et ce personnage du commandant, justement, nous revenons au premier propos, ce personnage du commandant qui était en train d'aller vers sa mort, d'aller vers son cancer qu'il s'était créé pour des tas de raisons, mais qu'il avait effectivement en plus, tout à coup dans ma vie, il y a eu cela avec un ami qui m'était très très cher. Et c'est là où notre métier se dépasse un petit peu, c'est là où tout à coup, j'ai envie de dire mission, mais ça me gêne un petit peu. Je me dis, mon Dieu, comme tout ça est grave et important. J'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire à cause de cela, à cause de cet homme qui était mon ami et qui était en train de mourir de cela. C'était une manière de partager sa détresse. Alors, je suis parti, oui, j'ai voulu. Et il y avait ce départ, il y avait la mer, il y avait le bateau. Mon ami était breton, était comme moi. Nous nous étions connus comme ça, au bord de la mer. Il a fallu donc, chose que je n'avais jamais fait ça. J'ai donc appelé Pierre Schoendorfer, le metteur en scène et l'auteur du livre. Et je lui ai dit, il faut que je joue ce personnage. Et heureusement, je suis tombé sur un homme qui m'a dit, ah bon, ben... Si vous... Bon, alors, nous nous voyons en fin d'après-midi. Et on n'a pas eu à s'expliquer beaucoup. Et quand vous avez regardé ce personnage du commandant du crabe tambour sur l'écran, en fonction des réminiscences affectives que ce rôle pouvait avoir pour vous, vous venez de l'expliquer, est-ce que le personnage coïncidait? Nous parlions tout à l'heure. Vous avez trouvé ces deux ou trois minutes de grâce, là? Oui, oui. Je n'ai jamais joué ce personnage. Je n'ai jamais eu à le jouer. J'étais sur ce bateau, il y avait la tempête, il y avait... Et puis on disait moteur, et puis je n'ai jamais pensé à rien. Pour ces minutes précieuses de grâce dont vous parliez, est-ce que le metteur en scène peut aider à ce qu'elles naissent ou pas? Ah oui, bien sûr, il peut aider. Sincèrement? Ah oui, en vous inspirant. Moi, je pense toujours que le metteur en scène, sa plus grande qualité, c'est d'être le premier spectateur. Et il y a des gens qui vous inspirent, il y a des gens qui vous donnent envie de vous dépasser. Et il y a des metteurs en scène qui me provoquent ça, qui m'inspirent et qui font fonctionner mon imagination. Vous en avez un nom, comme ça, deux ou trois, à l'esprit? Tavernier, oui. Yves Robert. Dans des registres pourtant très différents. Très différents, oui. Mais Yves est comédien. Oui. Yves Robert est comédien et je l'ai beaucoup admiré comme acteur, justement, quand il jouait Lilium et tout ça. Donc, il est très, très inspirant pour moi parce que j'ai beaucoup aimé son talent d'acteur et je l'aime toujours. Mais quand il était un héros,
Il était un héros avec beaucoup d'humour dans les yeux. Quand vous faites une autre parenthèse de quelques mois simplement avec vos chevaux, vous avez des chevaux, ça correspond à quoi cette... Il faut que je reste modeste, mais disons que j'ai un don, quelque chose qui me passionne et qui existe vraiment, c'est le contact avec les choses de la nature, avec les animaux. J'aime profondément les animaux et j'aime vivre en leur compagnie. Et je crois, toute modestie gardée, que de temps en temps, je sais aussi leur donner du plaisir, de par ma présence et ma manière. Mmh. Alors effectivement, j'ai trouvé avec les chevaux un contact extraordinaire. Je trouve ces animaux très très beaux. Je trouve qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Et c'est pas un exutoire, c'est pas une... C'est une forme de misanthropie ? Ah, sûrement, sans doute, oui, parce que je ne m'en aperçois que depuis peu, d'ailleurs, que c'est une façon de solitude, mais de solitude pas totale, parce que quand on est avec eux, on n'est pas seul. J'ai toujours du mal à parler de ça, parce que c'est quelque chose qui me touche et que j'aime profondément. Et je ne suis pas un bon avocat pour ma passion, mais c'est quelque chose qui existe, oui. Et vous dites d'ailleurs que le contact avec ces animaux dont vous venez de parler, c'est presque pour vous une mise à l'épreuve. Oui. Oui ? Oui, oui, absolument. Et qu'est-ce que j'ai ? Je ne peux avoir que des anecdotes, je ne peux avoir que des moments difficiles, ou des moments joyeux qu'on essaie comme ça un matin dans une forêt avec un cheval qui est un vieux compagnon qu'on connaît depuis des années, qui vous connaît depuis des années, de partir comme ça au trou, au galop, dans des sous-bois, et de trouver tout à coup une espèce de respiration particulière, une harmonie particulière, qui est une chose qui n'a pas d'équivalence. C'est une manière d'exorciser le monde factice, qui est quand même le monde du cinéma, tout au moins en apparence. Oui, tout au moins en apparence. Parce que le monde du cinéma n'est pas factice, parce qu'il y a cette équipe qui est là, qui existe, cette équipe de tournage, et puis nous sommes tellement vulnérables en face de nos carrière, entre guillemets, de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, de la réussite possible de cette chose, de la qualité possible de cette chose, que cela nous rend, comment dirais-je, toujours pour rester un petit peu un peu simple et un peu modeste, nous rend assez sérieux, assez attentif, oui, aux autres et autour de soi. Vous parliez de fragilité. Finalement, un acteur, je crois que vous êtes d'accord, doit prendre des risques. Ah oui, oui. Vous avez le sens de l'aventure au niveau de votre métier. Oui, je l'ai eu beaucoup et il faut que je le retrouve, ça. C'est perdu ? Enfin, quand il y a eu, cette chose du crabe tambour, c'est vrai que c'était... Mais c'était un cas très, très particulier. Mais c'est vrai qu'au cinéma, et j'en suis content parce que le cinéma français a l'air de bouger, a l'air d'exister depuis quelques mois, je suis très, très, très curieux et très heureux à l'idée de retrouver une autre génération avec laquelle j'espère je vais travailler, trouver des choses et redémarrer dans un nouveau monde, un nouvel univers, puisque le temps passe, les choses bougent, il faut que j'aille avec. Est-ce que l'envie de tourner, de jouer, ne s'était pas émoussée un peu, non ? Ça s'était émoussé il y a quelques années, mais il y a 5-6 ans, oui. Il y a 5-6 ans, il y a eu une période... que j'appellerais une période équine, où j'avais beaucoup de,
plus de contact avec peut-être les chevaux qu'avec mon métier, où j'ai eu, c'est vrai, pendant quelques années, une érosion, une lassitude. Et puis c'est revenu avec cette sacrée passion du cinéma. Et alors pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout de cette passion? Vous avez réalisé des courts-métrages. Pourquoi vous ne faites pas le saut carrément derrière la caméra pour en faire un long métrage? C'est les balises qui vous retiennent? Oui, peut-être. C'est un saut difficile parce que... Bon, d'abord, il y a ce problème de tourner comme acteur en ce moment. On me propose des choses qui sont vraiment très, très intéressantes, qui m'excitent, qui me passionnent. Alors, je recule toujours l'éventualité de faire moi-même du cinéma à côté de la caméra. Et on parlait de long métrage, mais j'avais fait, oui, c'est vrai, 3 courts métrages, mais c'était très, très frustrant parce que ces courts métrages ne passent pas, il y a toujours des problèmes de minutage, de programmation. Et j'avais subi là une humiliation très, très sévère parce que je me souviens un jour, devant une salle de cinéma, je passe comme ça et je savais qu'on programmait mon court métrage avec le film. Et je vois le directeur de la salle qui... Je lui dis, il y a un court métrage avant le truc. Il dit, oh, je ne le passe pas. C'est emmerdant. Parce que le court-métrage, sans vouloir le diminuer, lui donner de la qualité, n'avait en tout cas rien à voir avec le film. Et le public, évidemment, comme la programmation était mal faite, manifestait sa désapprobation devant le court-métrage parce qu'ils étaient venus voir tout à fait autre chose que ce que je proposais. Je ne veux pas dire par là que mon court-métrage était excellent, mais ce n'était pas du tout fait pour le même genre de public. Alors c'était très frustrant, ça. Et ça viendra, ce long-métrage? Long-métrage, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre encore. Vous occupez la tête d'affiche maintenant dans le cinéma français. D'ailleurs, avec les copains du départ, Noiret, oui. Marielle marche bien aussi. Oui. Belmondo. Ah, ça, n'en parlons pas. Mais lui, c'était oui. tout de suite. N'en parlons lui. Pas. Oui, lui, c'était tout de suite. Lui, à 23 ans, il était déjà marqué par le. Et le fait d'occuper cette tête d'affiche, est-ce que vous êtes finalement sécurisé ou si vous avez la notion de fragilité de la position qui est la vôtre actuellement? Oui, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas perdre surtout cette notion de fragilité, parce que alors ce serait d'une grande tristesse. Et puis, il faut aussi oublier la position, parce que la position, ce n'est pas réellement intéressant. Je ne veux pas être complètement hypocrite. Le fait d'être connu, le fait de gagner ma vie, est une grande joie et un grand plaisir. Mais c'est vrai que il ne faut pas, dans nos métiers, en tout cas artistiques, que nous nous endormions sur cet acquis et sur cette position. Il ne faut pas s'y intéresser trop. Et il faut être toujours à la recherche d'autre chose. Le jour où vous n'aurez plus envie, vous ne tournerez plus ou vous continuerez à tourner parce que, après tout, c'est de l'argent, etc. Non, non, je ne tournerai plus, non. Mais ça ne sera pas gênant. Vous pouvez vivre sans? Ah oui, oui. Il y a des balisages avec points de repère importants. Oui, 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 oui. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un comédien, tête d'affiche ou pas tête d'affiche, peu importe, dans notre société en 78, 79, au XXe siècle, qu'est-ce que c'est qu'un comédien socialement? Socialement, je malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je dis malheureusement avec une certaine nostalgie parce que il est complètement incorporé maintenant. Ma génération n'était pas complètement incorporée. En 1950, 1948 ou 49, dira son père provincial, « Non, papa, je ne vais pas continuer mes études, mais je vais être acteur », provoquer un choc intéressant. Maintenant, il ne le provoque plus, parce que nous sommes intégrés dans la société. Il n'est plus à la limite du scandaleux pour une jeune fille de 16 ans ou 17 ans d'être actrice ou d'être acteur. Alors, socialement, voilà, l'acteur est intégré. Mais il y a un phénomène très, très curieux. Il y a de plus en plus de candidats. Il y a de plus en plus de candidats acteurs et actrices. Pourquoi? Parce que c'est la fiction. Parce que c'est le rêve. Parce que c'est l'évasion. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut s'interroger pourquoi y a-t-il de plus en plus de jeunes gens qui ont envie de vivre dans la fiction. Pensez-vous que vous, les comédiens, vous êtes nécessaire, vital, indispensable à une société
de consommation où l'argent est roi. Oui, plus l'argent sera roi, plus nous serons vitaux et indispensables. J'y pensais l'autre jour à... Comme cela, c'était des chasseurs qui étaient en train de massacrer beaucoup autour d'eux. Et je pensais qu'un jour, on pourrait comme ça, tout à coup, se réveiller sur la planète, qui sait. Et nous serions la seule espèce vivante. Ce serait le désespoir. J'ai l'impression qu'au bout de quelques heures, les gens courraient dans les rues, effrayés, parce qu'ils n'entendraient plus un oiseau chanter, un chat miauler ou un chien aboyer. Ça serait une panique, ça serait la terreur. Alors, nous, les représentants de la fiction, toute proportion gardée, je crois qu'à la limite, nous sommes aussi nécessaires que ces animaux pour l'équilibre de l'homme. Nous sommes la fiction, nous sommes l'évasion, nous sommes le miroir, nous sommes vraiment indispensables. Vous avez tourné de Crabe Tambour, et puis tout à coup, ça correspond, je crois, à votre politique, je ne sais pas si c'est le mot, enfin disons, à votre cheminement de carrière. Tout à coup, vous avez fait un film tout à fait opposé, puisque vous avez fait avec De Broca, Le Cavaleur, qui est sorti avant-hier, je crois, ou hier, sur les écrans, à Genève, et qui va sortir en Suisse romande. Et là, on trouve naturellement un Jean Rochefort, Jean Rochefort dans un registre, comment dire, définissez-le, vous saurez mieux le faire que moi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un registre léger. C'est une comédie, c'est un registre léger, et c'est du cinéma de pure distraction. Mais là encore, il y avait une chose intéressante, c'était de donner à cette histoire, à cette aventure et à ce personnage, puisque c'est axé sur un personnage qui est un séducteur, un cavaleur, un homme qui court. Il est cavaleur dans ce sens-là d'ailleurs, parce que c'est un homme qui court après les choses, après la vie. C'est plutôt une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Alors, il était intéressant pour moi, pour Philippe De Broca, de montrer sa fêlure, de montrer son usure, toujours à travers l'amusement et le rire, mais de montrer ce petit creux comme ça dans le mur qui était en train lentement de s'élargir et de s'agrandir. Et ça, dans le cinéma, de distraction aussi, c'est intéressant. Quand on a l'occasion de montrer autre chose que ce qui est évident. C'est ce que nous avons essayé de faire. Oui, tout à coup, on se regarde dans une glace. Tiens, le temps a passé, oui. La fêlure, mais oui. Le temps a travaillé pour vous et au niveau carrière continue de travailler pour vous. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est bien, mais j'avais un professeur au conservatoire et qui n'avait pas dit seulement pour moi, qu'il avait dit aussi à Marielle, que nous étions des tardifs. Nous étions des jeunes gens et des adolescents très, très ingrats. Et il a fallu, comme ça, attendre fort longtemps pour que nous soyons en harmonie avec notre moment, avec l'époque, avec... Mais si le temps qui passe conforte le comédien, est-ce qu'il conforte l'homme que vous êtes, derrière le comédien? Oui. Mais il ne faut pas être trop confortable, surtout pas. Vous avez toujours fait, je ne sais pas, c'est peut-être de famille, vous avez un frère amiral. Hein, oui. Je ne sais pas si c'est un mimétisme, vous avez fait très souvent au cours de votre vie le point, ce que vous appelez le point, niveau professionnel. Bon, sur un plan très général, quel est le point de Jean Rochefort? Alors qu'il est, est-ce que ses compas lui donnent une position qui le satisfait ou pas? Oh oui. Le point est bon parce que il n'y a pas d'usure, parce que la curiosité est intacte, parce que l'ambition de continuer est intacte, que l'envie de faire d'autres choses existe encore, et ça c'est un bon point, oui. Et que les barrières sont faites pour être enjambées. Ah oui, mais il faut qu'elles soient là. Je vous remercie, Jean Rochefort. Et on vous retrouvera sur les écrans
pour voir Le Cavaleur de Philippe de Broca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie.